Oui? C'est qui? Answer me that. Just answer me that. Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? The fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? Qu'est-ce qu'il fait? Il va péter la porte là? Oh mais putain, je peux bouger! Depuis tout à l'heure, je croyais que c'était une cinématique! Oh merde! Ah oui, bah c'est comme la démo, hein. C'est le daron qui Dad, est derrière. please, please talk to me. I don't understand what's going on. Alors ça, c'est littéralement la démo. Parce que ça, on a eu affaire à ça, à la démo. Oh, le jeu est magnifique, hein. J'espère que ça lag pas pour vous. Oh, j'espère que ça lag pas. Ok, tourner. Alors ça, je m'en rappelle. Puisque bah, j'ai fait la démo. Hein. I have to find N'avait pas d'objet, je dois trouver la poignée. Oh, oh là là, l'ouverture. Oh putain. Alors ça, j'espère qu'on peut pas mourir dans le jeu parce que là. Ton cousin Roméo. 626 rue McElmore. J'ai peur que le daron il défonce la porte. Un marteau. Examiner. Ok. Dans mes souvenirs, je pouvais ouvrir cette boîte. Lucas. C'est une date en dessous ou qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans mes souvenirs, je pouvais interagir avec cette boîte, elle contenait des photos. Là, je pas l'impression de voir de moyen. Tu peux l'ouvrir. C'est une date ou un code? Chiffre romain. 5, 6, 7. Ah ouais? Oui, je pense que nous, on s'appelle Lucas déjà. Boîte ornée d'un soleil. Bon, bah écoute. My son. Mais putain, mais c'est. Il va tout péter, hein. Le prêtre avait raison. Come on. Mais sur quoi? Maybe I can get out through Grandpa's house. I gotta get out of here. Oh, le jeu, comment il est trop bien fait. C'est verrouillé. Marteau? Ok, c'est vraiment verrouillé. I need to find a way out before Dad notices I'm here. Mais ça y était pas l'horloge, le truc là-bas, là. Ah oh, putain, ça va commencer les problèmes, ça y est. Ok, donc là il y a une horloge. Des papiers, des photos de Polaroid, un cadre manquant. Un truc à voir, mais apparemment pas un truc à voir à la fois. Oh non, pas une horloge, hein!
Oh! S'il y a quelqu'un, tapez trois coups. Oh putain, non mais moi. Oh! Oh les photos glauques. Papier que le polaro. Ah, allez vous faire foutre au bout d'un moment. Hein. Grand-père était comme papa. Lucas. How did it get here? C'est comme ça qu'on interagit. Alors attends, la boîte d'avant. Ah bah voilà. Oh. Ah mais attends, parce que là je me souviens plus trop des photos moi. Donc en fait, la boîte c'est écrit genre Lucas avec un code. Quoi ce bruit? C'est la télé? Il y avait écrit Lucas avec un code. Et donc dedans, le daron dans la boîte, il a dû trouver sûrement un bras et une jambe. Au calme. Maintenir clic gauche. Non, clic droit. Ouais. Ah, ah putain, j'en ai marre, moi, de ce jeu de merde. Ça commence. Ah bah super, la corde. Et bah comme ça, on passera une bonne soirée. Je suis pas bien. Oh non mais moi ça me stresse. C'était quoi le code de tout à l'heure? Non mais c'est pas possible, c'est un code à 4 chiffres. Donc ça peut pas être ça. 5, 6, 7, oui, donc là ça peut pas être ça. Parce que quand bien même... Non mais c'est extrêmement long, par contre vous foutez notre gueule. Y'a pas un code à droite ? Ouais, vous êtes en train de lire le code sur le côté. Ouais, je suis en train de me faire la même réflexion. À droite, on dirait qu'il y a un code. 5. Là, c'est quoi? Ça, c'est un 1 dessus, ici. C'est un 7. Il y en a qui me disent 2. Pas des masses, hein. Pour vous, c'est un 2. C'est un 2 pour vous. Oh non, mais c'est... Bon. Je vais sortir. Arrêtez! Oh putain, je suis pas bien, je suis pas bien. Attends, je suis pas bien là-haut. On va revenir dans 2 ans parce que... Oh putain, vous commencez à me faire chier là. Tiens, on va mettre la photo à papy là. Papy il sera très bien. Je devrais trouver un clou ou quelque chose pour l'accrocher. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Un clou. Oh, je suis pas bien. Attends. J'ai pas ouvert ça. Et voilà. Une clé. Je te dis.
Je sais pas ce que ça veut dire ce que tu dis. Non. Tu tapes, hein. Eh, sans déconner, ils vont me faire crever. Le clou. Oh ! On tapait ! Oh putain ! Bouge pas, hein ! Il n'y a plus personne. Oh. Oh, je suis pas bien. Moi, j'aime pas les bails comme ça. Vas-y, plante ton clou vite, là, qu'on n'en parle plus. Papy ! Oh, la clé ! Il me montre du doigt, papy. Il me pointe du doigt. Toi-même, papy, hein. Toi-même. Ah, non, qu'il monte la porte. Ah non, il me montre peut-être la porte, en fait. C'est peut-être moi qui suis un peu con-con. Eh ben, c'est ça, la clé, si tu dis. C'est ça, et la démo s'est arrêtée ici, dans le jeu. Oh, putain. What the hell, ah, c'est de l'autre côté. Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? Mais que se passe-t-il? Madison L. Dumped, your victim bodies inside the well in her... Oh non, mais arrêtez-moi, ça me fait peur! Oh! Clé carré. Moi j'ai peur. Vous commencez tous à me faire chier, moi je vous le dis. Clé carrée. La clé carrée. Une cassette avec écrit hashtag 1. Eh ben c'est cool. Bon, tu m'en diras des nouvelles. Allez-moi cette merde là. Merci Keaton. Prendre ou stocker? Lucas. My notebook. So dad's the one who took it away from me. Bah, y a quoi dans le cahier? Examinez. Sister leg. Comment ça? Ça veut dire jambe? Going insane. Bras de maman. Ah mais c'est écrit en bas. Tête de papa. Mais quoi? Mais il est claqué le gamin. Il a un problème, le gamin. Tête de papa, bras de maman, jambe de ma sœur. Putain, je vous jure, si je me retourne sa mère et qu'il y a quelqu'un derrière moi, je vais excessivement mal le vivre. Hein. Je vais stocker sa merde. Ah, d'accord. Eh ben ça, on peut stocker. Je devrais garder ça. Ah, putain. Ah, putain, ne me touchez pas, hein. I better hold on to this. J'ai trop peur. Attendez. Merde. Oh putain, je vous jure, putain, s'il y a quelqu'un, je le déglingue. Grandpa's house. Tu ne touches pas. I haven't been here since he died. Oh putain. Oh je suis pas bien. Oh je suis pas bien. Ok. It has Allô the signal. La cassette. Oh non. Oh non. Ah non, moi je peux pas. La tempête a dû couper le courant, mais coupe-toi toi-même, va. Mais ça commence à me gonfler. Oh non. Oh putain. Oh là là. C'est sûr, il va m'arriver une merde. Grandma and Grandpa's room. Non, mais moi je suis pas bien là. Oh bah comment. Je vous préviens. Je suis non. Je suis non armée.
Ça, eh, on dirait un peu Visage là, la map. Je suis non armée, je préviens. La tête de Wam me touche pas. Utiliser. Mais tu crois que je m'y connais en courant? Warning. Au bas. Ah, bas, 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 haut, bas, haut. Et merde. Bas, 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 haut, bas, bas. Merci Sophie. Ah, j'ai peur. Mais j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Ah mais merde, j'ai... Ah, ne me touchez pas parce que je vous jure que ça va mal finir cette histoire. Hein. Tiens, mets ton... Fais écouter la cassette là. Tu dis quoi là dans la cassette? From the moment of first contact, it is already too late. Ça sent les quatre possessions, ça. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. Je suis possédé. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects. On avait des cafards tout à l'heure. Cockroaches in particular. Ah bah tiens, les cafards. My advice, let's go. Steer clear of the insects. There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, non, mais t'as un timbré, mon gars, c'est didn't do it. Bien sûr que t'as Dad fait ça, t'es possédé. Me, I... Oh non. Head. Oh non. A door. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Bah, tu nous fais un malaise, là. Could it be the basement door? La porte du sous-sol. Oh, putain.
pas envie d'y aller. Attends, il y a deux secondes là. Parce que là, je me sens pas très bien. Il y a... C'est quoi ça? Oh putain, mais merde, je sors l'appareil photo, je pas... Collectible rouge. Qu'est-ce que c'est cette merde? Du coup, je l'ai récupéré en gros. Ok, elle est cool ma vie. Attends, il y a un Wendigo au mur là. Oh, moi je m'en vais. Ok, je vois où je suis. Moi je prends tout en photo. Le jeu n'est pas à l'abri qu'il y ait une merde. Bon, c'est bon. Ça va, le Wendigo, il bouge pas. Bon, on va essayer de faire comme ça nous a dit. Ça nous a dit aller au sous-sol. Ça nous a dit la porte du sous-sol. Grand-père a consacré toute sa vie à l'horlogerie. Mais il doit être content, grand-père. 9h. Essayez de retenir l'heure, 9h. I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. Ah! Putain, je me sens pas bien. C'est quoi? Saisir, pivoter, zoom. Ah, Mars, Jupiter. Eh bien, c'est bien, qu'est-ce que je fais? Médaillon en forme de soleil. Ah, putain. Oh, je peux y aller. Oh, je peux. La porte rouge. Avec les cafards. Oh putain. Oh là. Oh putain. What? What is this place? Attends, c'est quoi ce bordel là? Il y a eu la police et tout? What's wrong with me? Oh non. Those symbols. Ces symboles. I've seen them before. Je les ai déjà vus. Attends mon gars, attends. Oh! Oh putain, vous êtes des bons. Il y a un pentacle. Hein. Oh la vache. Oh mais attends, c'est quoi ça? Oh mais déjà, si Kiki, elle commençait par là. Purée de patates. Non mais, je te jure. Oh là là. Bah vas-y, pète-moi ça, ça va plus vite. Hein. T'as bien raison, pète-le. Ah bah super. Mais qu'il est con. Je peux plus. Oh là là, mais c'est hyper angoissant là.
commencer, il n'est plus nécessaire de couper le courant pour le moment. Putain, il y avait une pièce là, je l'avais pas vue. It smells awful. The pipes must be clogged. Ah. Et je sais pas s'il y a un intérêt à faire ça. Attendez, hein, je... Ah, mais qui c'est qui est des chaînes don't not use. Mais quoi? Je peux peut-être la casser avec quelque chose, mon marteau. Attends, j'ai la pelle ou sinon le marteau? Bah attends, tu peux mettre un gros coup de marteau dedans, mec. Il veut pas. C'est très con, hein. Moi, perso, je te pète ça à coup de marteau, hein. Lire. Combinaison droite, 8, gauche. What? Quelqu'un peut noter? Combinaison droite et 8, gauche. Blue knees? Blue knees? Blue knees is real. Oh putain, non mais... Attendez, deux secondes. Attendez, je suis occupée. Je suis un petit peu occupée là. Je me donne à fond. Comme vous pouvez voir, je me dis que dans les tiroirs, il y a peut-être quelque chose qui peut nous sauver de l'emprise du démon. Une clé. Une clé en forme de triangle. Ça vous parle? Une clé en forme de triangle? Je suis pas bien. Non, je peux pas prendre de chaise là pour le moment. Clé en forme de triangle. On dirait une clé pour remonter une horloge. Ah putain. Ça? Eh ben non, j'aurais cru. Oh, je suis pas bien. Est-ce que c'est la clé du début? Ok, la pièce avec l'horloge, je vais aller voir. Je me dis tout. Un dessin sur le mur avec des symboles. Putain, c'est des particules. Waouh. Un dessin sur le mur avec des symboles. C'est pas reparti là-bas, on va voir. Attends, là-bas. Ah putain, il faut une autre clé du coup? Il faut une autre clé. Oh, je suis pas bien. Ouais, moi j'essaye de me barrer. Hein. Oh putain, les symboles! Les symboles! Je crois qu'on l'a. On l'a! 2,
Machin vers le bas, P. Deux, machin vers le bas, P. Oh putain. Ça va me péter à la gueule, hein, soyez-en sûrs. Hein. Deux, truc vers le bas, P. Il faut retenir. Oh là là. Ok. Alors le 2. Putain, les coups de molette qu'il faut mettre. Je sais pas si vous l'entendez, ma molette, mais... 2. Oh, je le sens mal. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein, parce que là, on va libérer le chétan. Hein. Machin vers le bas. Ouais, mais c'est le logo. C'est pas lui, si. C'est lui ou c'est pas lui? On va le voir. De toute façon, on va vite le savoir. Et le P. Oh là là, je vais faire ça. Mais là, je peux toujours pas l'ouvrir. Ah, prends en photo, j'avoue, c'est pas con. Oh putain. Oh putain. Ah bah, très belle photo, hein. On pouvait pas faire mieux. Ah, je dois descendre? Bah, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie, hein. Oh putain. Oh bah là, c'est mort, hein. Oh, je suis pas bien, c'est bon. Merci pour le sub, Smatouillette, merci beaucoup. Bon bah je vais crever. Hein. This box is extremely rusty. Ah, la boîte rouge, on s'en souvient, ça. Hein. Comment on l'ouvre cette boîte là, je sais plus. Là c'est en forme de lune. Madison. Ah, Madison avec écrit... mais je peux pas l'ouvrir celle-là. C'est quoi ça? Un, deux, trois, quatre. Eh ben, c'est bien, personne ne s'emmerde hein, sur les codes. Un, deux, trois, quatre. Mais je vais crever. Pas bien. Oh. Il y a maintenant la zone, elle est fermée, c'est. Cette merde. Oh
ça va péter. J'ai pas envie de regarder. Putain, mais je sais pas ce que je dois faire. Oh, oh putain. Oh, oh. Ah non, mais allez vous faire foutre, hein. Moi j'en ai plein le cul de ces jeux de merde. C'est bon, au bout d'un moment, moi je vais me mettre sur Fortnite, ça sera très bien comme jeu. Oh, c'est bon, mais moi, allez vous faire foutre, bande de cons, là. Je peux plus, moi je peux plus. Arrêtez. Oh ça. Officer Russell here. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? I can see there's. Non, mais allez vous faire foutre. Well. La Madison, c'est la Médérose d'Henrec. Oh, bah vas-y, avance-toi vers le lieu, y a pas de doute. Hein. Ah, moi je mets comme ça. Shit. Oh. I think I found the missing individuals. Oh, ça fait peur. Ok, ils ont trouvé que des gens mutilés. Let's go. They're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. Non mais. I gotta get out of here. What? What was that? Non, non, va te faire foutre. I think I'm not. Non, putain, putain. There's definitely someone here. Mais. Madison? Oh putain. Police, montrez-vous, mais ta gueule. Mais c'est un ordre de rien du tout, l'hôtel fait 4 mètres. T'es con, tu le fais exprès. Oh putain. Oh, hey, oh, elle va mal finir celle-là. Oh là là. Oh putain. Non mais reculez, mettez les mains en l'air, non mais... Voilà. Oh,
Oh bah, et c'est sûr. This cannot be real. Ça peut pas être réel, non? Bah non, on est dans un Netflix. Belong to that woman. Why is this happening to me? Non, bah c'est... I gotta get the hell out. Non, non, moi je peux pas, moi. On peut arrêter, s'il vous plaît? Je pense que ça sera très bien. On arrête là, hein? On arrête là, c'est très bien. Oh, le machin! D'où Jésus, Marie, Martine. C'est pas possible. Oh. Et puis l'autre con, police, les mains en l'air, reculez. Le bordel, il fait 2 mètres. T'es pas en position de force, mon gars. Je préfère te le dire, vous avez vu la bestiole? T'es pas en position de force, hein. Ceux qui ont jamais vu Rec, regardez. Regardez le 1 à la fin. Que je fais moi avec ces photos de merde là? J'ouvre la porte. Ah non. J'ai dit arrêtez, ça suffit, j'en peux plus, moi. J'en peux plus, je suis sous pression. Putain, j'en ai marre, moi. Je veux me reconvertir. Je veux me reconvertir, c'est vrai, ça. Il y en a plein qui font pas de jeux d'horreur et puis ça marche, hein. Merde. Foutre un autre jeu, moi, ça sera très bien. Foutez-moi la paix. Ça, je vais prendre l'ampoule en photo, ça fera des vacances. Non, j'en sais rien. Je vais prendre les portes. Peut-être une petite porte, hein. Elle s'est toute verrouillée, c'est conne de... Et si je follow les cafards? Vous allez où, vous, les petits cafards? Photo de groupe. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. Marie-Martine, si c'est toi, dégage, hein. Oh putain, c'est tout noir. Je le savais qu'elle était là. Ah putain, dégage. Morue, t'es moche et tu pues. Dégage. Oh, pilote qui nous fait des... Putain, ma tête, j'ai mal. Prends Doliprane 1000 et nous fais pas chier. Quoi, le grenier? Arrête. Arrête! I don't understand. Je ne comprends pas, ma tête! Allez, active-moi. Oh putain! Allez, maintenant au grenier, il n'est pas nécessaire. J'ai pas envie d'aller au grenier, moi. Vous êtes con, vous le faites exprès? Putain, j'ai pas envie d'aller au grenier, hein. Oh putain, ça merde la porte! Comment c'est tout ça me faire chier avec vos greniers de toute façon? C'est toujours la même dans les jeux d'horreur, hein? Il y en a pas un foutu, putain, pour attraper l'autre, hein? Si c'est pas un grenier, c'est un sous-sol. Merde! Allez, putain. J'ai pas envie d'y aller, moi. Et... Mais personne a vu Rec dans le chat ou comment ça se passe? Merci à tous ceux qui sub, hein. Excusez-moi. Merci à tous ceux qui sub et qui follow et qui envoient des bits. Merci à vous, je suis tellement tendue que j'ai pas le temps de vous lire, mais je vous vois à côté. Je vous aime fort. Merci beaucoup. C'est immense. Oh putain. Bon, vas-y, regarde-moi ça. C'est bien de la barque.
Mais ça, c'est la fameuse femme, ça. Lire. Là, j'ai juste un chiffre. Vous pouvez additionner ou soustraire, mais à la fin de la journée, quand le temps viendra, vous mourrez de toute façon. Alors putain, c'est bien dit, mais c'est glauque. Mais c'est bien dit. Mais attends. C'est pas le attends. Papy. Papy, là. Il était pas avec la meuf qui était en photo avec les yeux blancs? C'est à gauche, c'est la nana qui avait les yeux tout blancs. Vous savez, tous les cadres qui en boucle où tu vois la même, une meuf qui a des yeux blancs. Mais c'est elle! Du coup, papy sortait avec elle? Papy était en couple avec elle depuis le départ. Ça se trouve, l'appareil photo lui appartenait à elle, hein? Par contre, si celle qu'on a vue juste avant, putain, qu'elle est laide. Excusez-moi, je devrais peut-être pas parler comme ça, je suis bien consciente, hein, mais... Comment je suis pas bien? Donc là, il y a un autre cadre. Il faudra un autre cadre carré. Si quelqu'un peut s'en souvenir... Ça fait beaucoup de choses à ouvrir. Bon, ça c'est un pied de biche, je pense. Ça c'est un pied de biche. Merci Super Yi, merci Blur pour les 100 bits, merci Rafia pour ton 3e mois d'abonnement. Oh là là, merci Grumpy pour ton 6e mois, merci Sainte Mergoa pour les 2000 bits. Merci les amis, vous êtes adorables. Désolé si j'en oublie. Je suis stressée. Hein. The shape of this portrait. What, la forme de ce portrait. C'est assez étrange. 56 ans, Giovanna Maxwell. Mais c'est peut-être le fameux cadre à foutre, non? C'est sûr que l'autre, elle habite là. C'est sûr. Bon, là, il y a un problème, il n'est pas dans le bon sens alors. Ah non, il y a un problème. Bon, bah, on va refoutre là le cadre. Mais il y a un problème, c'est pas le bon cadre. Attends, il y avait quelqu'un? Ah non, apparemment pas. Ah, attends! I'm carrying too much already. Oh putain, j'ai déjà trop d'objets. Mais il est con. Alors attends. La forme du cadre. Non, c'est pas lui. Ok, elle va là. Le petit. Il va là. C'est ça, hein? Me fait peur lui. Putain. 13. Si quelqu'un peut retenir, 13. Une clé avec un cœur. Une clé avec un cœur, ça peut être quoi ça? Ça peut être quoi? Comment ce soit ça la petite clé? Clé en forme de cœur. Il veut toujours pas le péter à toute hasard. Attends, le tableau rond. Est-ce que ça peut pas être le truc Neptune machin là, le truc qu'on a? Ça? Eh merde, c'est un médaillon. Le cadenas du tout début avec 1, 2, 3. C'est le code. Pour vous, c'est le code de quoi? Au tout début du jeu? On va y aller, hein. The
The 43 was killed by a police officer. Ah putain. The 43 was killed by a 3-year. Moi je pense que ça va mal finir. Sur la poutre, il y a deux petites clés. Merci beaucoup Titouné pour ton 6e mois d'abonnement. C'est trop gentil, merci beaucoup. Il y a pas de souci, t'inquiète. Sur la poutre, vous avez vu deux petites clés que j'ai pas vues ? Non. Oh, c'est peut-être les deux petits clous plutôt. C'est peut-être les deux petits clous. Bon, je retourne là-bas. Ouais, vous me dites si ce jeu est trop fort pour vous. Ça, c'est toujours fermé. Ça, ça m'étonnerait qu'on puisse le déverrouiller avec une clé, avec un cœur. Ah, ça peut être ça, genre l'amour. La clé de cœur. Let's go. Oh putain, elle va être là, elle va nous attendre, la Medeiros. Oh là là, oh putain. Oh. Non mais attendez, parce que là je vais faire une crise d'angoisse. Non mais il l'a butée cette femme. What a mess. The entrance key should be somewhere. Lire. Le 22 mars 1972. On va se concentrer sur le... sur la lecture. Hein. Tout le reste n'est que du sound design. Hein. Le 22 mars 72, on dit que tenir un journal est un bon exercice mental. Eh bien, nous verrons comment cela se passe pour moi. 29 mars. Aujourd'hui, nous sommes allés à un vide-grenier près du centre. J'ai trouvé un livre avec d'excellentes recettes. Johnny est revenu très heureux avec un livre également. Il était très impatient de le lire. C'était vraiment une bonne journée. 1er avril. Je me suis réveillée au milieu de la nuit encore une fois. Je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un qui me fixait dans le coin de la pièce. Oh putain, non pas ça. 3 avril. Aujourd'hui, j'ai retrouvé tous mes bijoux éparpillés dans la chambre, ainsi que mon alliance dans l'évier de la cuisine. J'ai demandé à Johnny ce qu'il cherchait, mais il m'a juré qu'il n'avait rien touché. 5 avril. Nous avons dû laisser Johnny dormir avec nous une fois de plus. Le livre que nous lui avons acheté ne lui provoque que des cauchemars. Il faut avouer que cela nous effraie un peu tout de même. 9 avril. Tous mes bijoux ont été déplacés à nouveau. Je retrouve plus mon alliance. C'était le cadeau le plus adorable qu'Albert m'ait jamais offert. Mais aujourd'hui, Johnny n'était pas à la maison. Alors, Johnny, c'était le petit. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison et qu'il surveille chacun de mes pas. Albert me dit de pas m'inquiéter et il pense peut-être que je suis en train de devenir folle. 10 avril. Quel soulagement, j'ai retrouvé la bague dans la chambre de Johnny. Honnêtement, je sais pas quoi penser. 11 avril. C'est l'angoisse. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je n'arrivais pas à sortir de ma tête cette stupide histoire de monstre aveugle. Je sais pas pourquoi nous lui avons acheté ce livre de merde. Un monstre aveugle ? La Medeiros. Voilà. Elle est aveugle, la Medeiros, je crois. Cela fait longtemps que j'ai pas écrit. Ces dernières semaines, je suis allée d'un médecin à un autre. Quelque chose ne va pas avec mes yeux. Ils savent pas ce qui leur arrive, mais... Oh, ma vue devient chaque jour plus floue, ça me fait très mal. Le livre du monstre aveugle. Et elle est en train de devenir le monstre aveugle. Le 22 mai, seigneur, les médecins disent que j'ai perdu plus de 40% de ma vue ces dernières semaines. J'ai du mal à lire, à écrire, à regarder la télévision, même à penser à autre chose. Mes pupilles sont en train de s'effacer peu à peu. Le 23 mai, je commence à être fatiguée de tous ces médicaments. Rien ne semble s'améliorer. Je supporte plus la douleur. Pourquoi ça m'arrive? C'est extrêmement difficile pour moi de me déplacer dans la maison avec mes yeux comme ça. 28 mai. Je supporte plus la douleur. Dieu, viens à moi en aide, s'il te plaît. Le 2 juin. J'ai vraiment peur. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison, mais personne ne me croit. Je sais que c'est vrai. Même si je le vois pas, je sens sa présence. Il y a quelqu'un qui vit parmi nous. Le 3 juin. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu des bruits toute la nuit. Je jurerais avoir entendu quelqu'un respirer en essayant de prendre un verre d'eau. 26 juin. J'ai perdu ma vue à plus de 80%. Les médecins me disent qu'il n'y a plus de solution. Je ne veux plus être seule à la maison. Je suis pas en sécurité ici. 27 juin.
Ma bague n'est de nouveau plus à sa place, mais peu importe, ce n'est pas grave. Personne ne pourra la trouver maintenant. Je l'ai cachée juste en dessous. Dans le plancher, non ? Le plancher ! Oh putain. Comment je suis pas bien ? La vie d'Ouam, je suis pas bien. J'avoue que le tableau sur la porte est rond, mais je peux pas le récupérer. Il y a des médicaments partout. Hey, Scrolls, bah j'imagine que c'était des fameux médicaments qu'il lui donnait pour sa vue, en fait. Merci, Flipkey, pour ton abonnement. Merci, Grimpopole, aussi. Il va y avoir une dinguerie. What are these things? C'est des Polaroïdes. Attends. Ok. Est-ce que ça peut être ça ou pas? Vous pensez que ça peut être ça? Ah non, c'est l'ordre des planètes. C'est l'ordre des planètes. C'est des diapos, voilà. Ok. Donc il me manque encore un truc comme as. Mais il a parlé d'une clé tout à l'heure, non? C'est bien ce que je pensais, il y a quelque chose derrière. Comment je pousse ça? Ça m'avait l'air. Comment je pousse ça? Putain. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si voilà, ça va recommencer. Il va nous faire chier. When a demon attaches itself to a human, it becomes a parasite of sorts. Il y a quelque chose ici. Ici, il y a quelque chose. Il l'a dit, le perso. Il a dit qu'il faut que je trouve une clé. Je suis pas folle, il a bien dit qu'il faut que je trouve une clé, le... The demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well... I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures. Ouais, ça coûte but by donc, far ouais. The best way ouais, is non, mais to c'est obey. Moi qui écoute les trucs. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. De parler, il nous emmerde, Martin. Usually ah, they ça y est. Enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs. Il y avait quelque chose au frigo, j'ai pas vu. Already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity. Both vying for control over the mortal body. The symptoms indicate that the possession is progressing. Sur le frigo. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. Ça fait plaisir. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. Attends. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget,
Several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects. Cockroaches. J'ai cru pendant deux secondes qu'il y avait un truc, j'ai eu trop peur. Steer clear of the insects. Il y a un truc que j'ai pas vu. Et je sais pas ce que c'est. Parce que quand je fais ça, regardez. Paf. Et là, ça me montre bien effectivement qu'il y a quelque chose derrière. Mais ça, je l'avais vu. Le problème, c'est que je ne peux pas. Je peux pas y aller. Donc je pense que ça va... Le truc des planètes, ça va nous unlocker quelque chose. Ça va nous unlocker quelque chose. Pour le code du cadenas, retourner dans le grenier, prendre en photo tous les emplacements vides des cadres, les additionner et soustraire 1. Additionner et soustraire, c'était surligné sur la photo des papy mamie sur le bateau. Papy mamie sur le bateau, je l'ai vu quelque part cette photo, elle était où, merde. Papy mamie sur le bateau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était au grenier, papy mamie sur le bateau. Ah, le code. Ah, il ne te servira qu'à la fin du jeu. Ah bah non, mais... Mais quoi? Mais depuis quand? There's definitely someone here. Mais du con... Mais quoi? Comment ça, elle est où la statue? J'ai pas vu. Oh putain! J'avoue, elle est où la statue? Oh, oh là, ça sent... Oh non, mais... Oh putain, mais j'en ai marre! On tourne en rond depuis tout à l'heure! Ah non, 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 non. Bon, écoutez, je vous fous la cassette, vous vous démerdez avec, vous faites ce que vous voulez. Hashtag 1... Elle est où la hashtag 2, là? C'est hashtag 2, ça? Hashtag 2. Attends. On va écouter. Non, on va écouter avant. Possessed by a wicked entity is signified by a loss of control. Non, mais là, ça va être body, mind, ah non. And the soul. Ah non. However, that is often not enough for the entity. Ah non. Là, on sait ce qui va se passer là. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. Ah, c'est bon. On sait quoi faire maintenant. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to. Non mais moi je vais écouter. Je vais écouter d'abord et on ira voir Marie-Martin après. Hein. Ah non, on ira voir Marie-Martin après. Ah. Or if the host is physically taken to some. Non, c'est horrible. Vas-y, je vais avancer. Je vais avancer. Alternative reality? Ah bah voilà. I'm losing my mind. Bon, préparez-vous, on va prendre un gros screamer sa mère. Hein. Préparez-vous, on va prendre tarif. Hein. Marie-Martine, j'arrive! Marie-Martine! Oh la grosse chouin! Putain! Pardon, excusez-moi, j'ai des spasmes. Saloperie, va! Elle est où la connasse? Oh, je vais la fumer! Ah! Oh, Marie-Martine! Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ah non, toi, ta gueule, hein. That
that fucking statue. Oh putain. Ah oh. Ah les photos. Bon, je vais faire un malaise, sa mère. Ah oh, sa mère, je vais faire un malaise. Enfin les trucs là. Voilà, ça y est. Oh putain. Comment je veux prendre... Oh, je le sens mal, je le sens mal. Ah, c'est à moi de switcher ? Ça sent l'horreur. Ok. Je me sens pas bien. Oh, ça switch tout seul. Niquez-vous. Il y a un truc là. Là. Il y a un cercle, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai réussi. Oh putain, dégage toi. Mais dégage va. Je t'emmerde Moru, dégage. Fous-moi la paix. Ah non, mais moi ça commence à me faire chier ce jeu. Non, ça, là ça m'emmerde, sans déconner. Oh, elle est plus là. Oh, elle est plus là. Fous-moi un coup de marteau dans le machin. Me touchez pas. Grandpa's office. Putain, mais le bureau de grand-père, je l'emmerde. Putain, je deviens insultante. Comment contacter les morts? Putain, ils ont pas d'SM. All this time, we thought he went mad. Et voilà. Et ben voilà. Bon, la photo, on va la pick-up. On est à 8 sur 8. Hein. J'espère qu'on peut plus prendre d'éléments parce qu'on est dans la merde. Lire. Si vous avez besoin de la combinaison, vous savez où la trouver. Putain, les horloges. Les horloges. Oh putain. Huit à gauche. Ouais, c'était ça l'histoire. Mais on n'a pas la suite. Bon, apparemment pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va déjà mettre la planète. Ah, fous-moi la paix, hein. Connasse. Ça t'amuse, hein, de faire peur aux gens, va. Je vais te fumer, va. Bon, je rush. Putain, elle est revenue, la connasse. Putain, mais... Ferme ta gueule, Kiki. Ça nous fera des vacances. Putain, j'ai trop peur. Oh putain. J'ai les yeux... Oh, j'ai les yeux plissés, les gars. Sans déconner. Ok. Alors... Maintenant, quel est l'ordre? Quel est l'ordre? C'est de la planète la plus proche à la plus loin? Parce qu'attends, ça c'est écrit quoi? Mercure et Vénus. Mercure et Vénus. Attends, je vais mettre l'autre photo au grenier.
Ça me fera gagner un slot. Oh, puis le perso qui prend le temps pour monter, c'est insoutenable. C'est insoutenable, ces conneries. Hein. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc qui avait changé. Ouais, parce que lui, si je le prends en photo, il y a rien qui se passe. Par contre, vous m'avez parlé d'un truc, là. Ah ouais, add subscribe. Mais à la fin de la journée, quand le temps viendra, vous mourrez de toute façon. Vous pouvez additionner ou soustraire. Oh putain, c'est compliqué. Hein. Ok. Bon, on y retourne. Donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune. On va aller voir. Putain, comment... Je suis tendue, mais comme un... Comme une arbalète, hein. Mais la corde, elle est tendue, tendue. Ça va péter d'une seconde à l'autre, je le dis. Mercure, Vénus, donc. Ça... Ah. Eh ben, on est bon. Non, on n'est pas bon. Mercure, c'est la bleue. Donc déjà, la bleue... Ok. Ensuite, Terre, Mars, Jupiter, Saturne... Merde. Donc c'est ça. Jupiter, Mars, Terre, Mars, c'est quelle couleur là? Mars. Ben c'est bon. Bingo banco. Bien, ouais. Oh la vache. Je me sens pas bien. Oh la vache. Ok. Un médaillon. Donc grand-père a essayé de contacter grand-mère avec ce truc. Un médaillon. Est-ce que c'est du sang? Putain, mais il l'a récupéré à quel moment, le sang de mamie? Attends. Non? J'y ai cru. Attends, pourquoi il y aura un médaillon, déjà? Je peux regarder le médaillon et c'est tout. Mais c'est horrible, hein. Putain, le nombre de cadres, le nombre de photos imprimées, c'est une dinguerie. Hein. Donc là... Oh! 68 ans. Oh, putain. Si on doit tout... Oh putain, ça y est! Elle est de retour, la connasse! Dégage! Faut que j'arrête de faire ça, putain! Dégage! Oh putain! Je monte, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais je vais te le dire, mon petit pote. Elle est hantée, cette maison. Losange et hexagonale? Ah, mais c'est peut-être en faisant la soustraction. Oh, sa mère. Oh, je me sens pas bien. Oh, merci beaucoup, hein. I am not going in there without a light. Je n'avancerai pas sans lumière. Ah, j'avoue. Putain, vous êtes des bons, les gars. Oh, faut que je reste appuyé clic gauche.
There are handprints on the walls. Oh putain. Ça s'éteint tous les X temps. Les gars. Oh, les empreintes de main s'arrêtent parce que il y a Martine. Oh putain. Oh putain, je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Oh, ça pue. Oh, ça pue la mort. Oh, je ferme les yeux quasi. Hein. Je suis quasi sur des yeux fermés là. Putain. Oh, j'en peux plus. Je vais me vomir dessus tellement je suis stressée. Mais c'est quoi cette merde? Un putain de labyrinthe. Oh, c'est le pire truc ever. Pire truc ever. Oh non. Tu tournes en rond. Bah excusez-moi, je suis un peu en panique aussi. Hein. Il faut avouer que ça n'arrive pas tous les jours, ce type de situation. Hein. J'ai trop peur. Oh, je suis dans le mal. Le plus complet. Hein. Vous me dites va tout droit, mais ça pue la merde, cette histoire. J'avoue que cela, ça sent le glitch du background. Oh, je suis pas bien. Sa mère la porte. Tiens, je vais aller à droite, ça va changer. Oh là là, attendez, attendez, je me gratte le nez, ça va me... Y'a rien qui... Y'a rien qui va dans ce jeu de merde, hein. Oh, je suis trop stressée, là, faut arrêter au bout d'un moment, hein. Oh, je suis trop tendue, les gars. Oh, je suis trop tendue, hein, sa mère la porte, hein. Là, je tourne en rond, là, à faire droite en boucle. J'aurais dû prendre à gauche, là, je le sens. Ah, putain, sa mère, la chialasse. C'est pas possible, je suis désolée, je suis mal polie, hein, au plus haut point, c'est horrible, hein. Oh, qu'est-ce que je suis vulgaire. Je m'excuse, hein, je m'excuse, hein, vraiment. Mais je suis tellement tendue, vous comprenez, que du coup, c'est difficile pour moi de garder mon sang-froid. Le jeu, il me stresse vraiment, c'est... Les sons, les... tout le bordel, y a rien qui va dans ce jeu-là. Les bruits ambiants sont trop bien foutus. Moi, je vais la suivre, je vais la suivre, je vais la suivre. Les bruits ambiants sont bien foutus, tout... Putain, j'arrête de parler. Ah putain. Je vois une lumière, c'est Martine qui m'appelle. I gotta get out.
ma mâchoire. J'ai plus de mâchoire. Tellement je me suis tendue. Mais y a pas de doute, c'est bien Martine qui m'appelle. Oh, y a aucun doute là-dessus, c'était bien Martine. Oh, c'était horrible. Elle était horrible, la bestiole. Oh putain, c'est Martine, hein, y a aucun doute là-dessus, hein. Putain, c'est... Oh, je vais avoir peur de tout, moi, maintenant. S'il y a une feuille qui a traversé l'écran, j'ai cru que j'allais passer dans l'autre monde. A graveyard? How did I get here? Oh putain, moi je vis pas bien. I hate graveyards. Alexis, Stefano. Moi je vais longer les bougies, ce sera très bien. Oh! Cet endroit semble abandonné, mais non, on va pas y aller. Putain, ça t'a pas suffi, mon con, hein. Tu t'es fait attaquer 2 minutes avant par une bestiole infâme. Oh, eh bah, allez, vas-y, de toute façon, il y a des promos en ce moment. What am I doing? Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es en train de descendre dans le trou du cul du monde. Horrible. Horrible. This goes down really deep. Ça descend vraiment profondément. Bah oui, bah oui. À chaque fois, hein. Pas foutu de descendre une marche, celui-là. Oh, comment j'ai atterri ici? Oh lolo, le bousin! Oh le bousin! La cathédrale de Saint-Jupiter ferme ses portes, la cathédrale des horreurs. La cathédrale Saint-Jupiter fait finalement ses portes. Après des années d'absence de représentants de l'institution, ainsi d'un manque d'entretien, le gouvernement a décidé qu'il était temps de mettre fin à ses services. Selon les témoignages des habitants de la région, la cathédrale Saint-Jupiter est dans un état de négligence totale. Et l'annonce du gouvernement n'est rien de plus qu'un acte de médiatisation politique au vu des élections qui approchent le mois prochain. Il est important de rappeler sa tristement longue liste d'incidents, parmi lesquels nous soulignons 1947-1949, la mort de 13 ouvriers lors de la construction de la cathédrale. 51, les aveux de Nancy Goring, remis à la police par le curé Louis lui-même. 51, les aveux de Nancy, ça on l'a vu. 87, la révélation publique des avoués de la tueuse en série Madison Hale. 92, la fusillade. 10 enfants et 5 adultes sont tragiquement morts. 95, le suicide du père Georges, pardon. 2005, la cathédrale Saint-Jupiter ferme enfin ses portes. Bah putain. Bah là. Mais moi, j'ai une question. Personne ne dit que ça va mal se passer, là. Tout le monde s'en branle? Y'a que moi qui pense que ça va très mal se dégoupiller, là. Visitez notre labyrinthe des arts bibliques. Notre labyrinthe sont mis à jour chaque semaine. Nos labyrinthes sont mis à jour chaque semaine. Attends. Attendez, il faut qu'on retienne ce truc-là. Tout droit, droite, on descend, on fait un carré. Je suis pas sûre. Attends, c'est plus pareil là. Non, c'est plus pareil. Droit, gauche, haut, droit, carré.
Droit, gauche, haut, droit, carré. Ça pue. A yellow candle. Une bougie jaune, bah ça peut te foutre. Qu'elle soit bleue, jaune... Oh putain. T'as pas envie de ressortir le briquet sinon? Mais il a plus son briquet, Toto? Bon bah. Oh putain. Je sais. Je sais exactement. Il va falloir le faire le chemin. Il va falloir faire le chemin. Oh putain, ça craint là. Que tu me diras, non, je sais pas. Non, je sais pas en fait. Non, mais je pense qu'on va les dessiner effectivement. Si cathédrale Saint-Jupiter, clocher, pierre de fondation, confessionnal, labyrinthe jaune, labyrinthe bleu, labyrinthe vert, labyrinthe rouge. Putain, on est dans la merde. Oh, on est dans la merde. Alors là, on a toutes les couleurs. Oh, du jaune, du bleu, du vert, du rouge. C'est les Power Rangers, le bordel. Merci Shaina, merci Olivier XOXO pour les 24e mois d'abonnement. C'est adorable, merci beaucoup. Et voilà. Alors, va falloir... Attendez. Il faut que je me fasse un dessin. Je suis obligée. Vous allez vous moquer, mais je suis obligée de faire des dessins. Parce que là... Attendez, c'est quelle année, ça? Vert, de toute façon, c'est labyrinthe vert. On s'en fout, après. Bon. Labyrinthe vert. Donc. Vert. C'est... Mais c'est très long, hein. Tac. Je donne tout, là, les gars. Ah, je suis obligée de me faire un dessin, j'ai pas le choix. Hein. On est d'accord, hein. Je suis obligée de faire un dessin. Merde. Au fait, il y, ouais, y a une sauvegarde auto dans le jeu, je sais plus. Ouais, si, il y a la sauvegarde auto. Oh ! Oh putain ! Oh, j'aurais peut-être... Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça ! Vous pensez qu'à force de prendre en photo, il va tomber ? Peut-être pas. Mais peut-être qu'il va m'arriver une merde.
Non, il faut aller dans le vert. Ah! Il y a écrit que le L sur l'écriteau est sûrement ça qu'il fera tomber. Ah d'accord, le I. Alors attendez. Ah putain, voilà. Et là, dès que je suis là, je dois faire un carré. Un carré qui descend. Attends, mais je vais où là? Bah non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Mais c'est super... Attends. Mais attends, moi je l'ai mis des bougies, j'en sais rien. Ah, le carré, c'est juste la salle. Du coup, je me suis fait chier pour rien. Bougie jaune, c'est pas ici. Ah bah je suis contente. Quel enfer. Attendez, je me gratte l'œil parce que je sens la dinguerie venir. Je sens la grosse dinguerie venir. Tu sais, tu te grattes l'œil pendant que t'es en train de marcher. T'as la Médéros qui débarque, qui te vole à la gueule. Résultat, malaise. Go aller chercher les bougies, elle est en 1952. Oh la trappe con. Oh la vache. Ah. Mais ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué. Attends, je vais mettre rouge et je vais reproduire le même schéma. Oh, c'est un délire. Rouge, et là, faut que je reproduise exactement le même schéma. Merci beaucoup, Aki, pour le sub. Merci beaucoup. Tac. Ensuite, je descends. Il est compliqué, le rouge, hein. Celui-là, c'est check. Ça, c'est la salle bleue.
Ouais, attends, le bleu, je l'ai ou pas? Non, c'est le rouge que j'avais. C'est super complexe. Hein. C'est méga complexe, les gars. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Je pensais finir le jeu ce soir. Bien évidemment, comme d'habitude, je me suis surestimée. Bien évidemment. Donc je pense qu'on le finira demain. Tout simplement. On va se continuer la suite demain. Après, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Je pense que je vais pas trop tarder là. Ça craint. Ça craint. Le bleu, je peux te le redire. Gauche, haut, droite, tout droit. Ok. Alors attends. Tu me dis. On n'y voit rien. Gauche. Tout en haut. Est-ce que là, je tourne maintenant à droite ou après? Du coup. Non, je pense qu'il faut que je continue en face encore. Là, je tourne. Ok, droite. Tout droit. Non, c'est pas possible. Ah si. Putain, mais quel crack. Mais attends, je comprends pas là. Il y a... Non mais attends. C'est quoi le nombre de trucs? Mais c'est quoi le nombre de trucs? C'est un truc de ouf. Merci Xavier. Merci beaucoup. Pour ton abonnement, c'est très gentil. T'avais raison, c'était ça, mais par contre... Merci Lucas. D'ailleurs, Lucas, t'es suspect, hein, sache-le. Puisque sur le Polaroid de notre personnage principal, il est écrit Lucas. Donc voilà, je préfère te le dire. Je pense que tu n'es pas tout rose dans cette affaire. Putain, les gars... Est-ce qu'il faut que je change d'époque du coup? Oh non, j'avais pas vu ça. Oh non, ça va, ça va, ça va. C'est quoi? Boîte ornée d'un soleil? Ah non, non, non! Ah oui, d'accord, non, je comprenais pas. Les cassettes. Eh, la pelle cassée, je sais pas s'il faut que je la garde ou pas. Hein. La pelle qui est pétée, est-ce qu'elle a un intérêt? Ah bah tiens, le bleu. Je vais le refaire. Je vais me le renoter au cas où. Bleu. Et là. Droit. Tac. 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 Non mais par contre, c'est méga chaud là. On est d'accord? En fait, là, faut que je me casse, je pense. Il faut que je me barre d'ici, il faut que je retourne dans une autre époque. Vous êtes pas d'accord avec moi? Il faut que je retourne à une autre époque, je pense. La couleur de la mort, la couleur du vin, la couleur du sang. Jesus's blood. The color of life, the color of peace. La couleur de la vie, de la paix, de nos petits anges. Oh putain. Non. Oh, rouge. Le vert, je l'ai, non? Oh non, il y a jaune. Oh, c'est pas possible. Non mais c'est les Power Rangers le bail. Jaune qui est droit.
Ok, c'est bon. Hop, celui-là, il est noté. Ah, attendez. Oh, la dinguerie. Alors. C'est une dinguerie, hein, le truc, hein. Sachez-le. Hein. Hop là. Jaune, tu l'as déjà fait. Ouais, mais la bougie, du coup. En fait, la bougie, je sais pas où je dois la positionner. Quelle bougie je dois positionner et où. Was that the bell I heard at the graveyard? Était-ce la cloche que j'ai entendue au cimetière? Vas-y, si je la prends en photo. Non. Tu vois, après, comment tu sais, en fait, ta bougie jaune, tu t'es trompé, tu l'as mis dans le labyrinthe vert. Ah, du coup, je mets juste la bougie jaune dans le labyrinthe jaune? Oh la vache. Donc là, j'ai la rouge. Ok, bon, bah, je vais retourner là. Mais il me faut les autres bougies, elles sont où les autres? Donc la bougie rouge, je l'emmène dans le rouge. Ça c'est vert, rouge, voilà. Donc rouge, c'est droit, gauche, bas. Oh là là. Droite, gauche. Droite. Attends, je vous ai dit de la merde, non? J'ai peut-être fait de la merde. Je suis partie du mauvais sens, je crois, dès le départ. Bon bah. Mais par contre, comment tu sais après où est-ce que ça va, tu vois? On va mettre là, mais... Où est-ce que tu sais où ça va? Non mais il y a trop d'éléments. Les bougies vont sûrement dans les autres époques. Ah, vous pensez que ça va pas là? Oh putain. Bougie rouge sous le portrait du Christ. C'est ça le portrait du Christ, non? En lisant la description des tableaux, ça te donne la couleur. Et c'est sur les trois tableaux. Ah, tu crois qu'il y en a un qui va se verrouiller au bout d'un moment? Moi, je pourrais plus le reprendre, c'est validé? Pas du tout. Il n'y a pas d'ordre de bougie, il doit y avoir trois bougies rouges. Ah ouais, vous pensez? Oh, j'espère que c'est ça, parce que sinon on est dans la merde. Hein. Bien tordu. Oh non, elles doivent se trouver dans les autres époques, sérieux? Mais non, sérieux? Oh là là. Attends, vert, droit. Droite, tu descends. Normalement, c'est là. Ok, je vais la récupérer. On va sortir. C'est vrai qu'après je peux stocker. Au pire je peux les stocker. Non mais ça va être un délire le truc. Non mais on va essayer d'aller à une autre époque pour voir. De toute façon la bougie rouge elle est dans le labyrinthe rouge. On risque rien. C'est dans le labyrinthe rouge. On est tranquille. Alors attendez que je réfléchisse par contre, parce que c'est par où la sortie? Là c'est le clocher, là je vais où quand si je fais là? Ah ok, c'est bon. 1951. La bougie. Bingo. Couleur ça, jaune.
Ah, ça va être tendu là, je le sens. Rouge. Vert. Pardon, oui, c'était bleu tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. Hello. Excuse me. Me again, mother. Nancy. I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. Me what? He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. Oula, oula, oula. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void. Moi, je vais me mettre comme ça. Emptiness, nothing looking back. Ouais. Only God knows how many lives he had taken. Parce que là c'est Nancy du coup. Anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. He. Your kingdom come. Your will be done. Il est là. As it is in heaven. Ah bah non. Our Father in heaven. Oh putain. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Bon bah voilà, on va crever hein. Your kingdom come. Ah putain. Your will be done. On earth. Another candle. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Il dit je dois sortir d'ici, je sais plus où il a sorti. Putain, c'est pas par là. C'est par où? Je suis pas bien. Regarde les tableaux, t'as toutes les bougies. Mais comment je sais la description? Enfin, comment je connais la couleur? Mais comment j'ai la description des tableaux?
Direction le clocher, là. Ici. La couleur de la mort, la couleur du vin, la couleur du sang de Jésus. Donc lui, Jésus, c'est le rouge. Mais pas, il est en train de ronfler, il est incroyable. Là, le violon. La couleur de la vie, la couleur de la paix, la couleur de nos petits anges. Donc quelle couleur? Donc le violon, c'est bleu. Non? Je sais plus. Violon bleu. Jésus rouge. Et après, comment je sais la suite? Bon, bah on va aller déjà à bleu et rouge. On va déjà aller à bleu et rouge. Bleu. Bleu, c'est droite, gauche, droit. Droite. Bleu. On soit d'accord, jaune, bleu. Violon, on met la bleue. Ensuite, la bougie rouge. Là, on est dans le jaune. Putain, c'est par où? Vert rouge. Rouge, alors ça fait... droit, gauche, droit. Attends. Droit, gauche, bas. Lui, le rouge, je me suis plantée. Attends, mais il y a un problème. Il n'y a pas la photo du Jésus, là. Il y a un problème. Il n'y a pas la photo. Peut-être qu'il y a une autre époque. La photo de Jésus dans le labyrinthe vert, bah ouais, mais... Attends, on a un problème, là. Ouais, mais est-ce que c'est sûr que je dois le mettre dans le labyrinthe vert? Ouais, la luminosité, c'est creepy. Il est dans le bleu, aussi. Ouais, je me demande s'il faut pas que je switch entre les époques, hein. Pas les labyrinthes dans les autres époques. Merde. Bah alors c'est quoi?
Bah 2022, il y a vraiment rien. Il y a que dalle. Ici en 51, il y a un labyrinthe. Jésus dans le labyrinthe bleu et la bougie bleue dans le labyrinthe rouge. Après, notre personnage, à un moment, il a dit « faut que je parte d'ici ». Donc je me dis, c'est que c'est pas pour rien s'il a dit ça. Je pense que tu dois faire surtout attention aux couleurs des bougies par rapport au tableau et pas aux couleurs des labyrinthes. C'est fait pour te perdre, à mon avis. Il y a des labyrinthes dans l'autre époque, il me semble. On va aller voir. Mais l'autre époque, elle pue sa mère. Hein. L'autre époque, elle pue sa mère. Tu vois ? Là, c'est la... ça craint ici. Ça pue. Ah, ça pue. C'est bon, et moi je vais arrêter pour ce soir. Oh, je pense que je vais canner. Je vois pas d'emplacement pour poser les trucs. Hein. Oh putain! Non mais si, il faut la quitter cette époque de merde. Oh putain, non mais en fait il y a quelqu'un qui te chase, c'est horrible. On se casse. Faut changer d'époque là. J'ai flippé. Merci Pingu, c'est gentil. Oh là là. Bon les gars, on va s'arrêter là pour ce soir. Vous m'en voulez pas? On va s'arrêter là pour ce soir et on continuera la suite demain. Hein. J'en peux plus. Hein. Il y a un DLC aussi, si vous faudra qu'on regarde ce que c'est que ce DLC là. Est-ce qu'il est bien ou pas? S'il est bien, on l'achètera et demain on le fera aussi.